Sa Majesté Wezezon Odigbe Alotéo, roi de Bonon, en visite à Abomey ce samedi 28 mai 2022. Cette tête couronnée, troisième successeur au trône de l'Est royaume de Douba Afamin, est venue rendre une visite de courtoisie au nouveau roi intronisé sur le trône, du roi Béhanzin. Cordialement reçu par son hôte, ils ont échangé pendant plusieurs heures d'horloge et au thème des échanges, le roi de Bonon revient sur l'objet de sa visite et exprime son satisfaction. Miwa dadak beranzin homen. Lo akosu yoyo esro. Bo mi siro beranzin yoyo sro. Lik beranzin yoyo kasro. Mi flik kan hoho nu. Lo beranzin hoho. Kondo doo. Gonchi di dogba a famen. Flenwe beranzin enon de 1892 septembre. Et le quipo, trois mois d'imbénable 130 ans. Bon, flenwe non bo fanwa. Bon, fanwa ka yo volé de sous titengbe. Fie Amazon. Wo. Commandant Foras de yo. Gontiwe. Donc, a hosu hoho de kano flenda yo. A hosu singbezin wenwe. Nwo jodi. Yo tokba hosu e wunti wai bo singbe a wao. A hosu de zin wenwe nwo jo. A hosu wazin a singpo jiwe nkado de gbe. Bou kasi lo beranzin zin vi kasro. Donc nous sommes obligés, nous sommes dans la main, nous sommes dans la main. Notifions qu'en prélude à cette visite, le roi de Bonon et sa suite, en raison des liens fraternels entre l'Est royaume de Douba Afamin, actuelle royauté de Bonon, et les Guédégbé, se sont rendus au temple Yalodé dont le contrôle est assuré par les Guédégbé, occasion pour eux de se remémorer l'histoire de leurs ancêtres.